Bonjour monsieur, puis-je entrer? Bonjour, oui, bien sûr. Asseyez-vous. Je vous remercie. Bienvenue à votre examen de production orale du DELF B1. L'épreuve de production orale se déroule en trois parties. On va commencer par l'entretien dirigé. D'accord. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Sofia Romano. J'ai 20 ans et j'habite à Naples, en Italie. Pouvez-vous me parler de vos activités ? Avez-vous une passion ? Je suis une personne hyper active. Je fais de l'escalade et de la natation tous les week-ends. Et je suis passionnée de photographie. J'aime prendre la nature en photo. Est-ce que vous aimez votre ville? Et pourquoi? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup ma ville. Car elle représente la splendeur de la culture italienne. Décrivez votre meilleure amie. Ma meilleure amie s'appelle Maria. On se connaît depuis l'école maternelle. Elle est calme et généreuse et elle est très belle. Qu'avez-vous fait pendant vos dernières vacances? Pendant mes dernières vacances, j'ai visité Rome avec Maria. C'était génial. On a visité le Colisée, le célèbre amphithéâtre. Que ferez-vous pendant vos prochaines vacances? Pendant mes prochaines vacances, je compte visiter Paris. Maintenant que je parle le français, ce sera facile pour moi de communiquer avec les gens. Bien, maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'épreuve. C'est l'exercice en interaction. Prenez deux sujets, puis choisissez-en un. Je choisis le sujet numéro 2. Sujet 2. Vous voulez organiser une fête surprise pour l'anniversaire d'une amie. Vous discutez de l'organisation de cette fête avec un ami commun français. Vous n'êtes pas d'accord sur le lieu et sur les personnes à inviter. Donc, je vais jouer le rôle de votre ami français. D'accord. Bonjour. Comment ça va? Bien, et toi? Moi aussi, je vais bien. Tu sais que ce sera l'anniversaire de Maria dans une semaine. Nous devons lui préparer une fête surprise. C'est une excellente idée. Où va-t-on organiser la fête? On peut réserver une table dans son restaurant préféré. Oui, mais ce sera trop clair et elle devinera que nous allons célébrer son anniversaire. Tu as une meilleure idée? Oui, chez moi, elle ne se doutera de rien. Bon, d'accord. Nous devons aussi préparer une liste d'invités. Oui. Alors, il y a Claude, Sylvie, Anne et Maxime. Il vaut mieux ne pas inviter Anne. Mais pourquoi? Elles ne sont pas des amies proches. Pour Maria, c'est juste une connaissance. Ah bon? Je ne le savais pas. Alors, ce n'est pas la peine de l'inviter. Alors, je m'occupe des collations et des boissons, et toi, tu t'occupes de la décoration. D'accord, ça marche. Très bien, on passe maintenant à la troisième et dernière partie. L'expression d'un point de vue.
Vous avez préparé un petit exposé? Oui. Quel sujet avez-vous choisi? J'ai choisi le sujet numéro 4. L'importance de la lecture chez l'enfant. Allez-y. Je vous écoute. Tout d'abord, le texte dont je vais parler aujourd'hui est un article paru sur le site metrofrance.com le 1er décembre 2011 et dont le titre est « L'importance de la lecture chez l'enfant ». Ce document parle de l'importance de la lecture dans la construction de la personnalité de l'enfant ainsi que de l'adolescent. En effet, lire peut aider à développer l'imagination et permet aux enfants de construire leur propre monde. Je partage le même avis que l'auteur. Et je pense que la lecture ne sert pas seulement à se créer une personnalité, elle permet aussi aux enfants d'apprendre de nouveaux mots. C'est un moyen pour l'enfant d'enrichir son vocabulaire. En plus, la lecture permet à l'enfant d'avoir une excellente culture générale. En outre, lire un livre le soir avant de dormir est une bonne préparation pour un sommeil paisible. Pour conclure, j'encourage les enfants à faire de la lecture leur passion. Et j'invite les parents à acheter beaucoup de livres à leurs enfants. Merci mademoiselle. L'épreuve est terminée. Merci beaucoup. Et bonne journée. Au revoir. Just begun.